Bonjour à tous, je suis Marie-Hélène Foubet. J'étais intervenue l'année dernière, je dirigeais une entreprise sociale pour l'habitat. J'ai quitté mes fonctions au mois de décembre, mais j'ai maintenant une retraite active puisque j'ai pris en charge la délégation générale du réseau Alliance. Alors, cette crise sanitaire nous a profondément marqués. Je pense qu'elle a, peut-être une vertu, c'est d'avoir accéléré tous les phénomènes sur l'ensemble de la démarche RSE. D'abord, au-delà du Covid, on a tous compris qu'on a un enjeu climatique et que l'horloge tourne. Ça a été beaucoup redit hier en séance plénière. Le deuxième enjeu est très ressources humaines, puisque tout le monde parle de bien-être au travail, de lien social des salariés. Et si l'année dernière, je disais que toutes les parties prenantes ne se sentent pas forcément toutes engagées, le changement cette année, c'est qu'on sent que tout le monde est en train d'y aller. Si j'avais une phrase positive, les murs sont en train de tomber entre les différents mondes, le monde économique, le monde associatif, le monde de l'entreprise, bien sûr, le monde des collectivités locales, et tout le monde fait tomber les murs. Et le dernier point, c'est que c'est fortement demandé par l'ensemble des jeunes de ce pays. Et moi, j'y crois beaucoup. Donnons-leur les moyens de changer tout ça et de répondre aux enjeux à la fois climatiques, sociaux. Et cette approche globale est absolument nécessaire aujourd'hui. Alors effectivement, tous les ans, il y a une phrase très très importante au niveau du World Forum. Je pense qu'après une période vraiment d'inspiration, de compréhension, de conceptualisation, le Are We Next, c'est est-ce que nous sommes les prochains? Est-ce que nous sommes prêts à y aller tous ensemble? Et je pense que la séance plénière l'a vraiment révélé hier. Je pense que tout le monde est prêt. On n'est pas dans un monde de bisounours. Il va falloir vraiment porter toutes ces actions et surtout apporter beaucoup de méthodes. C'est le rôle du réseau Alliance. Comment on apporte la méthode? Beaucoup d'entrepreneurs me disent on est prêt à y aller, alors on le prend dans quel sens? La rénovation de nos bâtiments, la mobilité durable, parce que c'est un enjeu considérable. Dans quel sens on prend? Quelle méthode on a? On est vraiment tous partis dans le faire ensemble et on va accélérer.